Amenez-les-moi que j'en fasse mon affaire. Vous dérangez le calme des lieux. Ils sont en forme. Alors, Guy, pour accompagner Claudine et Jean-Michel, on a Philippe Morin, qui est notre homme fort. Vous n'avez pas des plus gros? Don't worry, hein? On a Sébastien Baribeau et on a Nadia Lemire. Vous êtes de? Trois-Rivières. L'UQTR, c'est ça? Universitaire québécois très rusé, oui? C'est ce que vous pensez, hein? Vous êtes en comptabilité? Oui. Mais ici, ce qui compte, c'est le temps. De votre côté ou votre ennemi? Choisissez. Le temps est très important. D'ailleurs, le temps démarre au coup de gong. La boule! Le gong! À nous deux. Il paraît que tu parles de beauté dans ton émission, toi. Oui. Et ici. Il y en a un qui aurait besoin de quelques conseils de beauté. Ah oui? Va voir le père Fouras tout de suite. Est-ce que vous pratiquez des sports d'équipe ou des sports individuels? Non, mais c'est le fun quand c'est répondu la même année. Sébastien, Philippe, approchez un petit peu, que je vous explique. Là, si vous êtes... Par ici. Faites-vous voir un peu. Vous êtes tellement beau pour l'instant. Je ne sais pas si ça va durer. Là, ça prend un travail d'équipe. Il faut forcer dans la même direction. Avez-vous vu le film « Danse lascive » C'est une valeur. « Dirty Dancing hein? ». Okay. C'est ça. Ici, c'est « Danse lascive ». OK? C'est bien. Vous êtes prêts? Oui. Hey, installez-vous pour rentrer. Oui. Allez, on y va. Let's go, allez-y. Go. OK, Jean-Michel, tu t'approches la porte. Allez, de chaque côté de la scie. OK. Pour libérer la clé, il faut absolument couper le morceau en deux. OK. Vas-y. Oui, gars, vous devez couper le morceau en deux, c'est obligé. OK, let's go. Là, ce qui est bien important, c'est qu'il y a une bonne coordination. Oui, une bonne coordination, un après l'autre, puis pesez les deux sur la scie. C'est ça. Pesez les deux sur la scie, attention aux blessures. Continue. Très bien. Continue. On est en poulie, c'est une poulie. Let's go, les gars, là. C'est ça. Vas-y. Là, il y a un contrepoids d'à peu près 40 kilos de chaque côté. Donc, s'ils peuvent mettre leur poids sur la scie, ça va être plus facile. Mettez les deux du poids sur la scie, les gars. Vous êtes obligés. Il y a un contrepoids de 40 livres. 40 kilos. Mettez les deux du poids sur la scie. C'est ça avance. Mais continuez. Il faudrait vraiment être au complet, OK? Il faut que tu fasses très coordonné, ça tombe toujours à la même place. Soyez coordonnés, les gars, pour que ça aille toujours à la même place. OK, vas-y. Milieu. Let's go! Vous êtes capables d'embarquer leur épaule pour utiliser leur poids. Essayez d'utiliser vos épaules, de vous appuyer sur la scie, les deux. Essayez de vous appuyer sur la scie, les deux. OK, on y va. Vas-y, passe. OK, dans mes popos. Faut pas que tu fasses trop. Pèse moins, OK, t'as l'arrière. Essayez de vous appuyer sur la scie, les gars. Vraiment, faudrait vraiment qu'il embarque son épaule. Embarquez sur la scie, les gars. Embarquez sur la scie, l'épaule, appuyez comme ça, c'est ça. Utilise son poids. Utilisez votre poids, les gars. Let's go. C'est beau, ça, c'est bien. C'est ça. Utilisez votre poids. Let's go, les gars, vous êtes forts. Il reste du temps, mais... Passez dans la même place. OK, on y va. Dépêchez-vous, mais prenez votre temps. Let's go, comme ça, les deux appuyez avec votre poids. Il va falloir les faire sortir bientôt, là, on vérifie. Il va falloir sortir bientôt, les gars. OK, faites-la sortir. Vous sortiez. Il faut vraiment embarquer dessus. C'est ça. C'est pas grave, Daniel, t'es-tu trop fatigué pour aller à l'eau? Non, ça va. Au cas où il y aurait une plaie à la mer, tu vas te préparer. OK, let's go. Et nous, pendant ce temps-là, on va voir Claudine à la vigie. Allez, let's go, let's go! Il faut que je perce un trou là-dedans, mais il faut une vis de combien? Claudine! Vous tombez bien, vous qui êtes doué en bricolage, vous pourriez m'aider un petit peu. Tout va de travers ici. Oui, j'ai remarqué. Sauf moi, tout de même. Vous n'avez même pas l'air essoufflé, c'est parce que vous participez au masque et courant, au téléthon, vous êtes en pleine forme. C'est ça. Oui. Vous savez tout? Je sais encore plus que vous ne pensez. Mais voyons si votre cerveau est en aussi bonne forme. Écoutez. Ecclésiastique législation ou pittoresque interprétation d'une chanson, ces idéaux de la beauté par les beaux-arts et la mode sont imposés. Qui est-il? Ecclésiastique législation ou pittoresque interprétation d'une chanson,
ces idéaux de la beauté par les beaux-arts et la mode sont imposés, qui est-il? Standard. Non. Canon de beauté. Canon? Canon, vous avez dit canon? Oui. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai trouvé? Mais oui, mais je suis surpris. Et moi, je pensais que ça serait coulé. Ben non, vous l'avez. Pour vrai? Bravo. All right. Vraiment très 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 bon. Vraiment, merci. Bravo. Yes, yes. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire là? C'est moi qui vais à la mer, c'est moi qui suis coulé, ben je dois y aller. Hein. Vraiment, alors là. Tu l'as eu! Je l'ai eu! Wouh! Mirza! Bon, ça vous en fait une? Hein? Une belle pique! En fait, Sébastien et Philippe, vous faites juste étudier, vous, à Trois-Rivières, hein, c'est ça? Je veux pas très, très faire honneur à l'industrie forestière de la région, cependant. Ah, vous avez peut-être une meilleure chance. Est-ce qu'il y en a qui ont des habiletés manuelles un peu fines? Tu sais, par exemple, pour la couture. Non, pas toi? Non? Tu n'es pas sûr? Jean-Michel, c'est toi le candidat idéal pour ça, parce qu'on dit que tu parles beaucoup avec tes mains. Là, tu vas t'en servir. Hey, bon. La madame est contente. La madame est contente. Alors, tu dois joindre avec une corde, passer à travers des trous, joindre toutes les poulies, l'accrocher et au hisse ensuite pour soulever une cage qui renferme la clé. Tu me suis? OK, je suis obligé donc de tirer par la corde. Je suis obligé de cette façon-là. On te donne de la corde, mais c'est pas pour te pendre. OK. T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Prépare-toi. Jean-Michel, t'es prêt? Vas-y. OK, l'équipe, tu peux m'aider. OK, est-ce que tu vois la clé? Regarde, cherche la clé en commençant. Oui, je la vois. Tu la vois. OK. Maintenant, tu vas vers la gauche. Oui. Il faut que tu prennes la corde et que tu la passes au travers des trous et que tu la passes au travers des poulies. Comme ça, là? OK. Vite, fais le tour. C'est ça. Oui, comme ça. Ça? Tu la passes, c'est ça, à travers les poulies. Tire. OK. OK, là. Approchez-vous. OK, voyons, Sébastien. Là, c'est très important qu'il tire beaucoup, beaucoup de cordes. OK, rapidement. Tire beaucoup de cordes, Jean-Michel. Il faut qu'il s'en tire, tire. Non, il faut qu'il s'en tire beaucoup. OK, tire-toi-en beaucoup d'avance, OK? Pour avoir du lousse. C'est ça, pour qu'il y ait beaucoup de lousse qui tire. OK. Tire-toi-en encore. Parce que rendu plus loin, ça va être beaucoup trop difficile de se donner. OK, rendu loin, ça va être rendu difficile, fait qu'il faut que tu t'en donnes beaucoup. Beaucoup. Qu'en tire, qu'en garde plein. Tire encore. Tire du lousse. Tire du lousse encore. Jusqu'à temps. C'est ça. Plein. Tirez jusqu'au bout, là, la corde. Là, il faut vraiment qu'il accélère. Accélère, Jean-Michel. C'est ça, c'est qu'il passait par en dessous. Tu peux passer en dessous, Jean-Michel. OK, là, il y en a pas assez encore de lousse. Donne-toi du lousse encore, Jean-Michel. Encore. Beaucoup. Tire. Ah ouais, encore. Tire. Plus il s'éloigne, plus c'est difficile. Non, let's go. Go. Ah, go, Jean-Michel. Go, Jean-Michel. Jean-Michel, ça va bien. Vas-y, ça va. T'as du temps, ramasse, t'as du lousse. Let's go. Lousse pas. Bon, là, s'il passe au travers de toutes les poulies. Bon, il en reste deux. OK, fais le tour. De l'autre côté du monde. Il faut toujours qu'il continue, qu'il passe au travers de toutes les poulies. Et puis tire. Tire! C'est l'effet multiplicateur qui va faire qu'il va être capable de lever la cage pour la clé. Mais là, il faut qu'il tire. Beaucoup de lousse. Donne-toi beaucoup de lousse, Jean-Michel! Sors tes muscles, Jean-Michel! Plus. Sors tes muscles! Ouais. Bon. Encore. Allez, plus vite! Plus vite, Jean-Michel! Come on, go! OK, encouragez-le. Jean-Michel, c'est bon. Go, go! Il va manquer de temps. Non. OK, plus vite. Jean-Michel. OK, je pense qu'il est rendu à la dernière poulie de l'autre côté. OK. Il faut qu'il se dépêche, parce qu'après ça, il faut qu'il aille au moulinet. Donne-toi du lousse. Plus vite, Jean-Michel. Plus vite, fais le tour. Il faut qu'il l'accroche. Go! Plus vite! Oui. J'ai compris! Là, il va mon sac à main! Est-ce qu'on veut pas qu'il reste prisonnier? Ok, fais-le ça! Sors, Jean-Michel! Sors, Jean-Michel! C'est beau! Non, mais c'est juste le temps de comprendre! Qu'on doit faire. Tirer, on dirait que c'est pas ça.
pour ça que dès le départ, il faut vraiment tirer. Mais c'est pas grave, on a déjà... On a une clé, on continue. On tue, bébé. M'excuse, mais j'ai entendu des choses bizarres lors de l'épreuve précédente. J'ai entendu, je cite, « Sors tes muscles, Jean-Michel. » J'ai oublié à l'hôtel. Une vue si faible dans cette belle jeunesse. Jean-Michel, tu as une deuxième chance. Cette fois, on va mettre à profit ton muscle cérébral. Tu vas aller voir le père Fouché. Maintenant? Laquelle des personnes restantes passe son temps à dire « Je suis pas capable de rester en place. » Nadia, je te trouve un peu immobile depuis le début de cette merveilleuse aventure. On va te faire bouger un peu. Ouais. On va même te permettre de prendre de l'air. Okay. Tu vas aller à l'extérieur. Tu vas te balader sur une passerelle. Ben ça, c'est à peu près la longueur. La largeur, c'est à peu près ça. Mais il en manque des bouts, mais ça, c'est pas grave. Écoute, on n'a pas eu le temps de la finir avant ton arrivée, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Tu vas être un beau petit pied mignon, étroit. Et tu vas aller jusqu'au bout, récupérer la clé et la ramener à ton équipe. Et je pense que vous en avez besoin de clés pour continuer les épreuves. Ça va? Ça, c'est ça qu'on parlait de haute couture tantôt. Là. Ça te va très demander. Mais je serai bon avec toi. Rapidement. Okay. Je vais tourner la clepsydre juste au moment où tu vas sortir à l'extérieur. Hey. Généreux. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, Nadia. Concentre-toi pour bien aller. Sébastien, Il faudrait qu'elle dorme une meurtrière juste ici. Elle va t'entendre de là, on va te dire quoi lui dire. Okay, let's go, Nadia. Donc d'ici, Nadia ne peut pas vraiment nous entendre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les consignes à Sébastien, qui est juste devant la meurtrière. Donc là, la corniche est vraiment étroite. Donc j'espère qu'elle n'a pas le vertige, mais est-ce que là, le vertige, Daniel? Là, elle est à 15 mètres de haut. Il n'y a pas vraiment de prise, hein. C'est toutes des prises naturelles en pierre. Bon. Là, elle descend son pied. Descends ton pied. Il faudrait qu'elle avance juste un petit peu. Elle avance juste un petit peu, Sébastien. Tranquillement, ça va bien. Descends tranquillement ton pied, Nadia. Il faudrait qu'elle accélère, là. Absolument qu'elle revienne sur son pied. Accélère un peu, Sébastien. Accélère un petit peu, Nadia. Ça va bien, Nadia. Approchez-vous de la porte. Si vous criez fort, elle va vous entendre parce qu'elle approche la fenêtre. C'est bon, Nadia! C'est bon, Nadia! Jean-Michel à la vigie. Ah! Nom d'un cheveu blanc, mais c'est ça. Mettez-vous de profil. Mais oui, c'est bien lui, c'est bien lui. 89, nous étions dans la même équipe de hockey en France. Je gardais les buts, vous vous rappelez? À Besançon. Voilà. Franche-Comté. Oui, bah, maintenant je garde le fort. Hein. Bon. Ouais, bah écoutez, en tout cas, ici, c'est moi qui marque les buts. D'accord. Écoutez bien. Formatrice pérégrination en affaires. Pour plusieurs, c'est une obligation. Mais pour les tourtereaux, quelle romantique évasion. Qui est-il? Tourtereau.
électoraux, mariage, pensez à tout ça, hein. Je répète, formatrice pérégrination en affaires, pour plusieurs, c'est une obligation. Mais pour les tourtereaux, quelle romantique évasion. Qui est-il maternelle, qu'est-ce qu'on aime quand on se marie noces, nuit de noces. Voilà, et encore et on fait quoi? Les enfants. Oui, mais avant, tourtereau. Tourtereau, naissance. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Contrat. Oh là là, et on part pas. Voyage, eh bien, oh voyage. Voyage, en toute limite, juste. Extrême limite. Je ne sais pas si je vous l'accorde. Voyage à part, voyage. Oui, quand même, hein, tout de même. Bon, ben écoutez, vous l'avez gagné. Elle est vraiment à l'extrême limite. Hein. Merci, Père Fourage, c'est parce que c'est vous. Allez, descendez. Merci. Merci. Si les voyages forment la jeunesse, en tout cas, moi, il faut que je fasse un très très long voyage, alors. Ouais, le juste père. Viens nous rejoindre. Prochaine épreuve. Trois clés. Une, deux, trois. Ça va bien. Mais il faut pas ralentir parce que pour avoir accès à la salle du trésor, ça vous en prend cinq. Donc, il en manque encore deux. C'est l'endroit rêvé pour combattre une fois pour toutes les plus grandes peurs, les plus grandes craintes que l'on peut entretenir dans la vie. Claudine est ici. Il faut que je te parle. Écoute. Toi, ta grande crainte, c'est les araignées. Il faut que tu les combattes. Non. Mais c'est toi l'araignée sous d'être bain. Tu vas aller jusqu'au bout, tu vas ramener le petit outil au milieu, tu vas déverrouiller la petite boîte et tu vas avoir une autre clé. L'araignée, c'est toi. Ça va? T'es prête? Claudine, oui. T'es prête? Allez, vas-y. Vas-y, Claudine. OK, plonge dans le filet. Claudine. Nadia, approche pas de la porte. Faut qu'elle aille jusqu'au bout. OK, va jusqu'au bout, Claudine. C'est ça. Attache-toi bien. L'outil est au bout complètement du filet. C'est bon. OK, c'est tout. Super, Jean-Michel. Là, il faut qu'elle décroche l'outil. Vas-y, décroche la clé, l'outil. Puis qu'elle fasse vraiment attention de ne pas l'échapper. Attache-toi bien, il ne faut pas que tu l'échappes. Garde-le serré. Encouragez-la. Let's go. C'est bon. OK, prends le temps de te retourner, ça va aller bien. Tiens-les bien. T'as du temps. Panique pas, t'as du temps. Là, si elle l'échappe, on peut... Échappe-les pas! Ça serait probablement plus facile si elle était complètement droite ou à plat dans le filet. OK, Claudine, tu vas étendre ton corps. Tu vas le mettre le plus droit possible. C'est ça. OK, elle est rendue à la boîte, là. Faut qu'elle l'ouvre. T'es capable, Claudine. OK, c'est toi bien, Claudine. Ouvre la boîte. Rapproche-toi le plus possible. Claudine, mets-toi droit, ses jambes, ça va aller mieux. Ça. Étends tes jambes! C'est ça, tu vas l'avoir! Mets-toi droite! Tiens-toi bien! C'est beau, tu vas l'avoir! Tiens bien la clé! Tiens-la bien! OK, pour sortir! OK, continue, faut qu'elle revienne sur ses pas! Ça va bien, comme ça! Mets-toi droite comme une plante! Panique pas, c'est beau! Mets-toi droite! L'outil, elle peut lâcher. Tu peux lâcher l'outil. Tiens bien la clé. Échappe pas la clé. Mets-toi droite comme une plante. Mets-toi droite. Ça va aller mieux sortir. Vite. OK, encouragez-la, là. Elle est capable, là. C'est bon, vite, Claudine! Il manquait une seconde, mais t'as vraiment bien... Non, la porte est barrée, mais t'as bien fait ça, Claudine! On se revoit tantôt! Okay. On garde le moral! Nadia Lemire,
dans les renseignements à ton sujet, je t'ai écrit « Je ne laisse jamais laisser tomber personne ». Qu'est-ce que tu as fait avec Claudine? Il s'en est fallu de peu. Ici, toi. Hey. Aimes-tu ça jouer les agents secrets? Oui, quand j'étais jeune, oui. Bon, tu es encore jeune, commence pas, là. on va pas se lancer là-dessus, là. Okay. Hein? Tu vas entrer dans une cellule, mais attention, si tu échappes quoi que ce soit, si tu mets le pied par terre, tu restes prisonnier. Tu as peut-être l'occasion d'aller rejoindre Claudine, mais ce n'est pas souhaitable parce que vous avez besoin des deux dernières clés qui restent. Pour récupérer la clé, tu vas avoir cet objet-là dans une petite boîte vitrée. Tu pompes, tu retires le tout, tu vas chercher la clé. Mais attention, si tu laisses tomber quoi que ce soit, je te le répète, tu es prisonnier, le système d'alarme se déclenche et c'est très dommage pour toi. Tu passes par l'échelle. Jamais à terre, Sébastien. OK. Pour pas que tu touches du tout par jamais terre. Jamais rien, OK? T'es capable. OK. Attention. Ça va? T'es prêt? Sébastien? Oui. Vas-y. Reste c'est calme. Parti. Let's go, Sébastien. Let's go, Seb. Reste calme. Let's go, Seb. Regarde où est-ce que c'est, où est la clé. OK, Jean-Michel, tu peux t'approcher de la porte pour qu'il t'entende bien. Juste ici. Regarde la pièce. C'est ça. Va vers la gauche. Ça va bien, ça va. Ça, c'est une très bonne idée. Bonne idée. Fais attention à la corde. C'est bon. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. OK. C'est beau. Là, il peut s'appuyer. C'est bon, tu fais bien ça. C'est très bon. Là, la meilleure façon. Là, saute. Ah, là, c'est ce qui est le plus difficile ici. Saute dans le filet. Fais attention après. C'est bon. Échappe rien, prends ton temps. Dis-lui de prendre son temps. OK, là, prends ton temps, tu as fait ça vite, Sébastien. Prends ton temps. Là, faut pas que ça tombe. Attention, il va tomber. Faut pas que ça tombe. Oh, tiens-le, c'est ça. C'est bon, OK. Faut qu'il fasse attention, faut que je sépare la clé, Sébastien. Échappe pas la clé. Fais attention en revenant. Même chose. T'as du temps. Panique pas, Seb. Ça va très bien. Calme-toi. Prends ton temps. Fais attention. Tu peux mettre le pied sur le baril si t'es fatigué, mais t'as l'air correct. Tiens-toi bien. Chose de très, très, très sensé pour une fois dans cette équipe. Jean-Michel, viens nous rejoindre, Jean-Michel. T'as dit, c'est très important. T'as jamais dit, si vrai, c'est très important. Ça vous prend absolument la dernière clé, parce qu'on est déjà rendu à la dernière épreuve. Et vous savez, depuis quelques années, je viens faire un tour ici et je découvre des objets absolument merveilleux. C'est une relique, un ancien bouclier qui a été égaré ici, mais retrouvé fort heureusement, afin de permettre une toute nouvelle joute. Et vous voyez, ça prend des bonnes épaules quand même pour les avoir. Bien sûr, mon tout petit. Alors, tu auras en plus, Philippe, une sorte de cordon ombilical qui va te joindre à ton adversaire. C'est lui que tu devras vaincre pour prendre possession de la clé. Et comme Jean-Michel l'a dit, c'est très important. Ça va? Oui. T'es prêt? Oui. Let's go, mon fils. Panique pas. Non, ça va? Cette clé-là est vraiment importante. Ça va? T'es prêt? Philippe, tiens-toi. Philippe, la clé est au plafond. Joue avec. Tire dessus. T'es fâché.
Vas-y, 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 vas-y
Muscle. Muscle. Muscle et centre. Vous continuez à penser à ça. Oui. Sébastien? Oui. On te laisse enlever le gros harnais puis tu viens nous rejoindre, OK? OK, bonne chance. Et vous avez, c'est bon, muscle et centre. C'est parfait. À quoi ça ressemble, vos indices, jusqu'à maintenant? Hein? On a muscle et centre. Et centre. Muscle et centre. Muscle et centre. Ah, je peux pas réfléchir à votre place. Quel dommage. Jean-Michel, voudrais-tu, s'il te plaît, libérer cet endroit parce qu'on a besoin de toi pour une autre aventure un peu plus tard. On n'a pas besoin de toi. On va aller te rejoindre, Jean-Michel. Mais on aura besoin de toi plus tard. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour votre équipe? Jusqu'où? Très loin. Au bout du monde. Très loin? Est-ce que vous êtes capable d'aller encore un petit peu plus loin? Oui. Claudine n'arrive pas. Claudine vient ici. Jusqu'où tu es capable d'aller pour ton équipe, Claudine? Ah, mon Dieu, jusqu'à mes limites. Tu es capable de contrôler tes limites? Tu penses être capable de contrôler tes limites? Pas, je Moi, je suis convaincu que tu es capable de contrôler tes limites. Je ne sais pas, Guy. Claudine, tu vas être capable. C'est quoi ça? Capable, Claudine, ça va super bien aller. C'est quoi ce Guy? Il n'y a pas d'araignée, Claudine. Non? Ça, je te le jure. Il n'y a pas d'araignée. Il n'y a pas d'araignée, ça, c'est, je t'en fais la promesse solennelle. Claudine, le mot. Oh, mon va être... Dieu, c'est des serpents. Oui, mais le mot va être en deux parties. Oh là là! Vas-y doucement. Il y en a un tout près. Okay. Nadia, tu peux t'approcher juste pour pouvoir lui parler. Tranquillement, vas-y doucement, son pont malin. OK. Alors, le mot est au fond. Le mot est sous un serpent. Un okay. serpent et il est en deux parties. Donc, il va falloir que tu le trouves. OK. C'est une partie du temps. Soulève-le doucement. Bon. Super, Sébastien. Il fait très chaud okay. ici. Il y en a deux. OK, okay. Vas-y, Nabelle, t'es belle. Lève-le au complet. Claudine, lève-le au complet. Je lève au complet. T'as pas vu le centre encore. Non. On t'en veut partout. Ça va vraiment bien, Claudine. Il y a des trappes, il y a des petites portes, Claudine. Faut les ouvrir. Il y en a une. Je viens d'être moi, Claudine. Oui, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des petites portes. Parce que sa tête, elle bouge, puis j'aime pas tellement c'est ça. C'est normal que ça bouge. Ouais. Vas-y, vas-y, c'est ça. Ça va bien, ça va bien. C'est bon. Il y en a plein. Vas-y. Il va falloir c'est tellement dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Claudine, il faut être plus vite. Vite, c'est dégueulasse. C'est capable, Claudine. C'est dégueulasse. Pas capable, là. Claudine. Tu les prends, tu les retournes et regarde. Mais oui, mais ça bouge trop. Regarde, essaye. Essaye ici dans la boîte. Essaye. Ce que tu vois, tourne-les. Mais oui, mais là. Claudine, t'es capable. Hey, là, oui, c'est bien beau de dire ça quand vous êtes loin. Claudine, essaie au moins de trouver la moitié d'un mot. Attends une minute, là. Claudine. Il y en a des petits dégueulasses. Un à la fois pour les billes. Hey, ils sont dégueulasses. Je peux-tu vous dire? Essaye le plus long ici dans l'entrée, là, le long. C'est gros, le bail. Non, 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 le bail. Celui-là, tu l'as déjà regardé. Regarde le bail. Lui? Oui. Hey, ils font du bruit. Puis là, là, ils s'approchent. Il s'approche vers moi. C'est bon. C'est bon. Sors-le, regarde. Il y a une tête d'un serpent qui a Claudine, continue, Claudine. Ouais. Claudine, sors-le. Okay, de l'autre côté, elle vient de l'autre côté, il y a une trappe aussi. OK, il faut faire de l'autre côté. Quand ça tourne, il y a une trappe aussi. Claudine, quoi? Maintenant, de l'autre côté, il y a une trappe. Oh, sacré. Il va y avoir une autre porte, Claudine. Tu tires. Même chose sur la petite corde. OK. Ça me tente pas de tirer. Il y a un serpent autour. Claudine, allez, allez. Claudine, il reste presque plus de temps. Je sais que tu es capable. Oui, mais moi, je veux sortir, hein? Oui, inquiète-toi pas, on ne sera pas là. C'est ça ici, là? Tire, tire, tire. Vas-y. Vas-y, Claudine. Oui, mais le serpent, il n'y a pas tire. Tire fort. Tire. Ah! OK. Il y en a pas de mots. Retourne-le comme faux. Ils n'ont rien écrit. Claudine, essaie d'en trouver au moins la moitié d'un. Continue, là. La moitié d'un, okay, la moitié regarde d'un. Regarde ah. Quoi, là? Il y a Claudine, viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre, Claudine. C'est bon. Hey. C'est beau. Hey, c'est Claudine. Dégueulasse. Claudine. C'est un très, très beau serpent ce soir. Oh, je pensais pas que c'était aussi
Écoute, on est fiers de toi, ma grande. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et puis, j'aurais aimé faire... C'est pas qu'elle passe. Mais non, mais c'était bonne. Ah, sac. Je pense que tu t'es surpassée, là, hein? Pas mal. Pas mal, hein? Je veux pas... C'est parce que ça bouge, ça descend, ça vient près de toi. Il y en avait autour de moi. Ça fait du bruit. Puis là, ils sont tous gigoteux, lui. On continue, on a deux mots. Okay. On s'en va rejoindre Jean-Michel pour la dernière aventure. Go, go, go! Hey, attention, Jean-Michel là, va descendre à bord de son appareil tout à fait voyardesque jusqu'à égalité des bouées noires. Il y a une clé, il va vous la lancer et vous devrez ouvrir la boîte qui est là pour aller chercher l'autre capsule avec le prochain indice. Surveillez-le, il risque d'être très étourdissant. Ça va? Oui. J'y vais? Vas-y! Vas-y, Jean-Michel! Ah! Ah! Vous avez tous! OK, on regarde le mot et tout de suite, on commence à penser. OK. Donc, on a muscle, centre, centre et... Greffe. Greffe! Greffe, cœur! Cœur! C'est cœur! Greffe. Greffe, greffe, cœur. Penses-tu? Muscle, centre, poumon. Greffe, tu viens nous rejoindre? Ça vous fait combien d'indices? Les tigres ont hâte de savoir, vous avez combien d'indices? Alors, quels sont les mots qu'on a trouvés? Centre. 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 Muscle et greffe. Attention, avez-vous une idée? Dès l'ouverture de la porte, avant de réfléchir, vous avez 3 minutes pas plus. Voilà, 3 minutes à compter de maintenant pour accéder à la salle du trésor. Il faut s'organiser et avoir le bon mot-code. Parfait. OK. Alors, on a une idée. Oui. Le cœur est au centre. Le cœur est un muscle. Et on peut faire une greffe du cœur. Greffe du cœur. Qu'est-ce que vous êtes certain? Est-ce que vous êtes d'accord? Muscle, le centre du corps humain, c'est pas au centre, mais c'est le corps du centre du corps humain. Est-ce que vous voulez faire un sacrifice? On non, vous êtes certain. Organisez-vous. En gang. Qui fait quoi? C-O-E-U-R. Allez-y. Let's go. Let's go. OK, on se passe. Let's go. Traite de tigre. Le mot-code exact aujourd'hui, cœur. Nadia, à la salle du conseil, a obtenu comme premier indice centre, qui peut être un synonyme de cœur. Sébastien, grâce à ses bras, a obtenu le mot muscle et s'en prenait. Muscle est aussi relié au cœur. Et finalement, Jean-Michel a obtenu le mot greffe, une greffe du cœur. Le mot-code exact aujourd'hui, cœur. Mais j'attends toujours à la fin, en fait, savoir si c'est vrai ou pas. C'est vrai, vrai. Bravo! OK. Conducteur, Sébastien. Tiens. Oui, on va le faire. C'est délicat.
T'es tellement délicate. La porte de sang? La porte de sang, mais vous en tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, Sébastien! Let's go, let's go! Ça va pas être quelqu'un pour passer le balai. Eh, ouais. Allez, au centre, tout le monde à la pesée. Au centre pour la pesée. Okay, bon, hey, super beau! Ah. Wow! Faut les transporter au moins jusqu'au chaudron. Hein? Claudine, maintenant que tu as vaincu une de tes peurs, reviendrais-tu pour chasser une fois pour toutes la crainte des araignées? Oh là là! Mais je vais y songer, Guy. OK, t'as un an. Jean-Michel, t'as des talents dans le plongeon? Non, c'est gros. J'haïs ça, j'avais mal au cœur, j'haïs ça faire ça. Je sais pas comment tu faisais, toi. Je respecte parce que moi, je suis des arbres, puis je perds le sens d'orientation. J'haïs ça. Ça ne pourrait jamais plus faire ce que tu fais à Los Angeles. Dédé Alain, la pesée. Savoir combien juste ici en haut. Wow! Wow! 3 300 $. Allez les bras. Allez les bras. On va essayer de soulever ça. À la fin de chaque émission, il y a toujours une femme forte. C'est Sylvie. Alors, ma chère Nadia, tu es la capitaine d'équipe. Tu peux te faire aider par Jean-Michel si tu veux. Okay. Ça fait bien le rouge.